Wanted criminal in a car. Ok, alors attendez, est-ce que je prends cette intervention? Bah bien sûr que oui. Je vais prendre cette intervention. Alors le mec, où est-ce qu'il est? Ok, je crois que le gars... Ok, le gars est en train d'arriver sur l'autoroute. On le voit, c'est la voiture grise, il me semble. Pas du tout. Oh putain, pas du tout. Alors attendez, oh les gars, va falloir que je fasse un demi-tour déjà là, les gars, c'est pas possible. Les gars, on va se mettre un code de plus et on va essayer de rejoindre le monsieur. Putain, je fais n'importe quoi déjà. Enfin, je fais pas n'importe quoi, j'ai pas vraiment le choix. Ok, il est en train de se rendre. Ouh, il est en train de prendre une autre bretelle d'autoroute. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous puisque notre zone de prédilection, c'est les autoroutes. Ok, putain, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, bonjour. Je vais essayer de le demander de s'arrêter en douceur en espérant qu'il obtempère. Ou ça a l'air d'être un refus d'obtempérer. Ok les gars, on est sur un refus d'obtempérer. Il m'a fait un break check. Le bâtard. Ok, on est donc clairement sur un refus d'obtempérer. Un gars qui s'amuse avec nous. Je vais appeler des renforts. Ok, alors. Putain les gars, je suis un petit peu rouillé les gars. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas envie de défoncer la bagnole dès le début de l'épisode. Wow, putain, elle est en train de nous crosser les lignes de l'autoroute. Oh, on a les collègues qui sont en train de tenter un barrage routier. Ça s'est très mal passé. Ok, le gars continue. Ok, pas de problème. Alors les gars, faut savoir que j'ai beaucoup, beaucoup d'éléments à ma disposition. Cette petite Alpine est équipée de 3 Hertz qui vont être droppés depuis le capot arrière. Mais on a également désormais, et ça c'est une énorme nouveauté, à notre disposition des barrages routiers. Et j'en ai également 3 alloués à notre unité d'intervention. Putain, il est en train de faire demi-tour le bâtard. Ok, ça devient assez dangereux. Oh putain, ouais, ça devient carrément dangereux. Ce que je vais faire, je vais tenter d'appeler davantage de collègues. Et quand il va avoir pris la décision de quelle bretelle il va prendre, je vais essayer de balancer une herse. Vous savez quoi, donc je vais faire appel à un barrage routier qui va balancer des herses en amont. Comme ça je vais pouvoir garder un contrôle sur le mec. Je fais ça immédiatement. Alors comme vous le voyez, Spike Strips, en espérant que ça se passe bien. Oh putain, il y a trois collègues devant nous qui vont tenter un truc. Ok les gars, tentez le barrage. Oh putain, il vient de prendre la sortie. Ok, là, il est clair et net que le barrage ne sera pas efficace. Le mec l'a senti ou quoi? Il est connecté au radio de la police. Ok, le gars a quitté l'autoroute. Je vais tenter une de mes propres herses. Je vais me mettre devant lui et je vais tenter de balancer une herse. Allez, c'est parti, on passe sur un dépassement. Oh putain, je sais pas où il va. Putain, c'est tellement délicat. Ok, balançage de la herse. Est-ce qu'il se la prend? Yes! Ok, il s'est pris la herse. Ok, le gars a perdu le contrôle. Mec, arrête-toi tout de suite. Putain, il est sur la voie de métro, il est sur la voie de métro. Madame! Sortez immédiatement du véhicule. Oh putain, ça va. J'espère que le métro va s'arrêter. Madame, les mains en l'air. Mettez-vous sur le sol tout de suite, madame. Madame, sur le sol immédiatement. Putain, on est sur la voie de métro, je le sens très très mal. Madame, les mains en l'air immédiatement. Wow, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, le collègue. Wow, what the what? Mec, collègue, qu'est-ce qui... Vous êtes en malade ou quoi? Putain. Mec, il vient de Marseille, lui, c'est pas possible. Bon, madame, les mains en l'air. Madame, arrêtez de résister. Les mains en l'air immédiatement. Bon, elle est en train de refuser. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle est en train de nous faire. Oh putain, il y a le tramway qui est en train d'arriver. Madame, obtempérez immédiatement. Bon, je vais laisser les collègues. Ok, je vais laisser les collègues gérer le truc. Tramway, arrête-toi s'il te plaît. S'il te plaît, merci. Il y a un pare-choc juste devant toi. Arrête-toi s'il te plaît. Je vais m'occuper. Oh putain, je vais m'occuper de la voiture. Je vais laisser les collègues gérer la madame parce qu'apparemment j'ai quelques petits problèmes techniques. On va appeler une dépanneuse immédiatement. On va appeler un tow truck. Oh putain, le mec en métro, il a pas le temps, il est en train de pousser le pare-choc. Ok, ce qu'on va faire, c'est que on a... Oh, monsieur, vous allez bien? Vous êtes en plein milieu de... Le mec est tranquille. Bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre la voiture, je vais laisser les collègues gérer la madame, puisque comme vous le voyez, il y a beaucoup de collègues autour d'elle. Je pense qu'ils vont être en mesure de l'arrêter quand elle aura... Parce qu'ils sont probablement en train de négocier ou en train de discuter, je sais pas exactement ce qu'ils font. Quoi qu'il en soit, la dépanneuse va s'occuper de la voiture d'ici peu. Bah là voilà, elle est juste là, elle vient de s'occuper de la voiture. Et nous les gars, on va repartir à nos petits oignons. Je vais essayer de rejoindre l'autoroute le plus rapidement possible. Hop, alors attendez, je vais mettre fin à cette intervention puisqu'elle est officiellement terminée. Les collègues sont en train de s'en occuper. Et écoutez, je vais regarder l'état de ma voiture. Et oh les gars, j'ai pas défoncé l'Alpine, c'est incroyable. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur l'autoroute et on va tout simplement continuer avec cette incroyable patrouille. Je vous retrouve tout de suite. Ok.